C'est officiel, François Mitterrand se rendra à Moscou dans la deuxième quinzaine de juin. L'annonce faite par les soviétiques a été confirmée tout à l'heure par l'Élysée. Monseigneur Lustiger relance la polémique sur la querelle scolaire. Il reproche au Premier ministre de n'avoir pas tenu parole lors du débat à l'Assemblée nationale. Roland Garros ou comment jouer entre les gouttes, le match Noah Taroxy interrompu pour cause d'averse, Connors et Lendl qualifiés pour les quarts de finale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le suspense autour du voyage à Moscou de François Mitterrand, ce suspense aura été entretenu jusqu'à la dernière minute. Ainsi, en milieu d'après-midi, l'agence TASS annonçait que le président français se rendrait en Union soviétique à la fin du mois. Elle ne précisait toutefois pas la date exacte de ce voyage. Il faut dire que cette annonce de l'agence TASS revêtait une procédure très inhabituelle, puisque de manière générale, c'est un communiqué commun élaboré par Paris et Moscou qui aurait dû annoncer une telle décision. D'ailleurs, l'Élysée s'est refusé dans un premier temps à confirmer ou à démentir cette information. Un peu plus tard, il publiait néanmoins un communiqué qui annonçait que François Mitterrand se rendrait à Moscou dans la deuxième quinzaine de juin. Alors cette annonce met donc fin à l'attente de ces dernières semaines et conclut une longue période au cours de laquelle les relations franco-soviétiques ont exclu toute rencontre au sommet, et cela même si les allées et venues ministérielles entre Paris et Moscou se poursuivaient normalement. Jean-Marc Illouz. Depuis le printemps 80 et la rencontre Giscard-Brechnev à Varsovie, rencontre très controversée en France, il n'y a plus eu de sommet franco-soviétique. La situation en Afghanistan et en Pologne ne permettent pas d'avoir des relations normales avec l'URSS, expliquera la diplomatie française d'après le 10 mai. Pas de sommet, mais pas de rupture non plus. Claude Cheysson, ministre des Affaires étrangères, se rendra officiellement à Moscou en février 83. Même si quelques semaines plus tard, la France décide d'expulser 47 soviétiques fortement soupçonnés d'espionnage. Et une semaine à peine après la destruction en septembre 83 du Boeing sud-coréen par la chasse soviétique, Andrei Gromyko, ministre soviétique des Affaires étrangères, sera finalement reçu à Paris par François Mitterrand. Sans oublier au début de l'année, la visite à Paris d'un vice-premier ministre soviétique, Ivan Arkhipov, visite qui rappelle que les relations franco-soviétiques ne sont pas atteintes sur le plan économique. Et la rumeur d'une possible reprise des sommets franco-soviétiques renaîtra au printemps. M. Mitterrand lui-même le laissera très nettement entendre à Washington en mars. Si la France peut être utile pour prendre part à une définition plus précise du retour à des relations normales entre l'Est et l'Ouest, elle n'y manquera pas. De quelle façon, M. Bortoli, n'allons pas trop vite non plus. Quant au voyage dont vous me parlez, je vous répondrai simplement, il est probable. Attendez, et moi avec vous, qu'il soit décidé. Alors ce voyage de François Mitterrand à Moscou va intervenir alors que les rapports Est-Ouest sont au plus bas et que tout ne va pas pour le mieux entre Paris et Moscou. Il y a d'abord eu l'affaire des euromissiles, puis aujourd'hui le sort des Sakharov dont le président de la République s'est ému à plusieurs reprises. Et l'on peut se demander ce soir, Georges Bortoli, ce que François Mitterrand attend de ce voyage. Bon, on peut faire un bref rappel des faits que vous avez exposés tout à l'heure. Il y a d'abord ce pas de clair, volontaire ou involontaire, de la très officieuse agence TASS qui a lâché la nouvelle avant le communiqué de rigueur. Ça n'est pas tout à fait dans les usages. Maintenant, alors la question que vous posez, pourquoi aller à Moscou ? Le président de la République a dit très clairement son sentiment là-dessus dans une conférence de presse qu'il faisait au cours de son voyage récent en Scandinavie. Il a dit que dans les rapports Est-Ouest, il y a une phase, la phase de décision de l'installation des euromissiles qui vient de s'achever, qu'on entre dans une deuxième phase et que dans cette phase qui est largement exploratoire, la France veut être présente. Mais alors pourquoi aller à Moscou maintenant et non pas à l'automne par exemple ? Alors là, on peut supposer qu'il va y avoir beaucoup d'Occidentaux qui vont être preneurs de rencontres au sommet et qu'il n'y a pas de raison, ça peut être une idée qu'on a à l'Élysée, il n'y a pas de raison que la France arrive après tout le monde. Et puis il y a aussi une raison toute simple, c'est que les rapports au sommet franco-soviétiques sont interrompus depuis longtemps et que ces rapports ont une utilité, je dirais presque une utilité matérielle, c'est que quand un dirigeant au sommet en rencontre un autre, de ce contact direct, il résulte que chacun sait précisément ce que l'autre veut et qu'on évite des erreurs, et que les erreurs c'est quelquefois dramatique. Alors bien sûr, il existe des objections à ce voyage, dont celle-ci.
Est-ce qu'il faut conforter par une visite forcément spectaculaire, puisque ce sera tout de même une visite officielle, un régime qui commet des violations aux droits des peuples et aux droits de l'homme? Alors, violation aux droits des peuples, malheureusement, ça n'est pas nouveau. Avant l'Afghanistan, il y a eu la Hongrie, il y a eu la Tchécoslovaquie, etc. Ça n'est pas pour cela que l'Occident a cessé les rencontres avec les dirigeants soviétiques, parce que, tout bêtement, on ne peut pas ignorer le deuxième supergrand. Et puis, voilà, ça tombe mal, parce qu'il y a en ce moment l'affaire Sakharov. Alors, ça n'est donc sans doute pas un hasard si, au moment précis, quelques minutes après avoir lancé la nouvelle du voyage de M. Mitterrand, l'agence TASS a lancé une autre dépêche qui était que, selon l'agence TASS, les Sakharov font bien et les Sakharov ne font même pas la grève de la faim. Bon, c'est évidemment décidé à renforcer un petit peu l'image de marque de Moscou. On ne peut pas le vérifier parce que l'accès au Sakharov est toujours interdit. Simplement une remarque, même si elle est un petit peu déplaisante et cruelle, c'est que Moscou n'a pas intérêt actuellement à ce que les Sakharov meurent et que donc tout doit être fait, y compris une alimentation forcée, pour les maintenir en aussi bon état physique que possible. Voilà ce qu'on peut dire de ce voyage, auquel les principaux leaders de l'opposition, M. Chirac, M. Giscard d'Estaing, M. Barre, soit dans des propos publics, soit en privé, n'ont pas manifesté d'opposition. Et puis on peut faire une deuxième remarque, qui nous ramène à l'affaire Sakharov, c'est que François Mitterrand a dit très précisément qu'il avait l'habitude de tenir le même langage partout. Alors, puisqu'il a dit à Paris et ailleurs qu'il ne pensait pas vraiment bien de l'attitude soviétique dans l'affaire Sakharov, c'est qu'il va le redire à Moscou, qu'il ne va pas occulter cette affaire pour faire plaisir à M. Tchernienko, par lequel il sera reçu. Il faut ajouter qu'alors que cette visite du président français était annoncée, Ronald Reagan, et c'est sans rapport, même si cela témoigne d'une volonté de renouer le dialogue, Ronald Reagan, qui vient de terminer son voyage en Irlande, M. Reagan annonçait qu'il acceptait maintenant de discuter avec les soviétiques d'une proposition de non-recours à la force conventionnelle. Une proposition qui concerne l'Europe. Michel Strulevitz nous explique la signification de ce geste. Ce geste en direction de l'Union soviétique, Ronald Reagan l'a accompli devant le Parlement irlandais. Une manière pour lui de s'adresser également aux Européens. Les États-Unis sont prêts à discuter d'une déclaration sur le non-recours aux forces conventionnelles en Europe, indique le président américain. Il répond ainsi positivement, pour la première fois, à une proposition soviétique émise il y a 2 semaines et rejetée alors comme une manœuvre de propagande. Mais il s'agit de concrétiser cette proposition, a précisé Ronald Reagan. Et pour cela, il faut reprendre les négociations entre l'URSS et les États-Unis. Cette visite en Europe a débuté par l'Irlande. Pour le président américain, accusé d'être un cow-boy nucléaire, il s'agit de présenter aux opinions européennes une image pacifique de sa politique. Une manière de raffermir les liens entre les États-Unis et les peuples européens. Ces peuples qui reçoivent mal la politique du président Reagan, notamment en Amérique centrale. Pour le président Reagan, il s'agit également de s'adresser à l'opinion publique américaine. Les élections présidentielles sont proches. Et il lui faut montrer qu'il peut être aussi un pèlerin de la paix, un président qui s'attache à réduire les risques de conflits dans le monde. Oui, il faut ajouter que Moscou estime que la nouvelle proposition de Ronald Reagan n'offre rien de neuf. À 3 semaines de la grande manifestation des partisans de l'école privée, l'archevêque de Paris, Mgr Lustiger, met les pieds dans le plat. Il accuse aujourd'hui, dans une interview publiée par notre confrère Le Monde, il accuse le gouvernement de ne pas avoir tenu parole lors du débat parlementaire sur la loi Savary. Il considère comme une agression l'amendement à cette loi qui prévoit la suspension du financement de l'État aux écoles privées si celles-ci n'ont pas au moins la moitié de maîtres titularisés après une période de 11 ans. Une prise de position qui fait grand bruit puisque les évêques, et notamment Mgr Lustiger, ont toujours été jusqu'à présent considérés comme particulièrement modérés, Paul Amar. L'accusation est grave. Mgr Lustiger reproche à Pierre Mauroy d'avoir changé d'avis dans la nuit du 21 au 22 mai sous la pression du groupe socialiste. C'est effectivement le sentiment que les journalistes ont eu. Mais le Premier ministre s'en défend. Il avait pris sa décision, laissant entendre à Matignon, avant même le débat, le 15 mai précisément. Ce jour-là, Pierre Mauroy reçoit le chanoine Guiberto, lui donne des assurances sur la liberté de choix des parents, mais constate que l'épiscopat n'a pas l'intention d'accepter la fonctionnarisation des maîtres. Il décide alors de durcir son attitude, pas d'aide financière ad vitam aeternam, si les enseignants du privé refusent d'être titularisés. Ce nouvel épisode donne une idée de l'incompréhension qui marque désormais les relations entre le gouvernement et l'Église catholique. Avant l'ouverture du débat, ou avant le 15 mai, ils étaient d'accord pour résister à l'offensive des plus durs, des deux camps, et pour préserver ce fameux point d'équilibre. Mais ils n'y ont pas réussi,
et semblent même contraints de tenir à leur tour un discours de combat. Il y a quelques semaines à peine, ils souhaitaient la concorde et la paix scolaire. Aujourd'hui, ils estiment avoir été trompés l'un par l'autre. Ils étaient pourtant modérés. Les ultras des deux camps peuvent être satisfaits. Les difficultés de l'industrie automobile française confirmées ces dernières heures. On avait relevé une baisse des immatriculations au mois d'avril. Cette baisse, on l'a appris, s'accompagne d'une dégringolade de la production automobile qui a chuté de 10,2% le mois dernier par rapport au même mois de 1983. Et cela même si les exportations progressent un peu. Seul Peugeot tire son épingle du jeu tandis que Renault et Citroën ont bien du mal à résister et que Talbot s'effondre. Jean-Claude Renaud. Je pense qu'il y a une grande part d'inquiétude sur le devenir de Talbot, d'une part, et puis d'autre part, il ne faut pas non plus oublier que la production a été sérieusement perturbée dans le courant de l'année dernière par toute une série de manifestations et d'arrêts de production qui ont fait que, malgré un carnet de commandes, nous n'avons pas pu toujours faire répondre à la demande de la clientèle. Nous avons été amenés à rembourser à des clients des acomptes qu'ils nous avaient versés sur des commandes parce que nous ne pouvions pas leur livrer la voiture dans les délais qu'ils souhaitaient. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui voudraient bien acheter du Talbot, mais en fait c'est l'usine qui ne peut pas fournir. Effectivement, les voitures n'arrivaient pas. Et donc les clients, pressés par le temps, annulaient leurs commandes. Et à l'heure actuelle, c'est encore le cas ? Ça nous est encore arrivé dans le courant du mois dernier. Pour des modèles bien spécifiques, effectivement. Qui ont donc porté un coup sévère à Talbot. Reste à savoir s'il est mortel, autrement dit si la direction envisage encore de sortir une nouvelle Talbot. Le 31 janvier dernier, voici ce que répondait le PDG. Bien entendu, c'est le client qui décide, et c'est finalement du jugement du client que découleront nos décisions ultérieures. Vous avez vraiment l'intention de sortir un nouveau modèle Talbot bientôt ? Nous avons l'intention de maintenir les marques Peugeot et Talbot, assurément. C'était il y a 4 mois. Aujourd'hui, la direction affirme qu'elle sortira une nouvelle Talbot, la C28, pendant l'été 85. Mais sous quelle marque ? Quel que soit le sort réservé à Talbot par les clients, la direction a tout prévu. Par exemple, une chaîne polyvalente, ici en construction à Poissy, qui sortira des Talbot ou des Peugeot. Quant aux concessionnaires, ce sont déjà les mêmes, s'il le faut donc. PSA pourra abandonner Talbot sans grand dommage. Oui, il nous manquait le début du commentaire de ce reportage dans lequel Jean-Claude Renaud nous expliquait pourquoi Talbot avait des problèmes. La FNAC devra cesser de vendre des livres avec un rabais de 20%. C'est ce qu'a décidé le tribunal de Paris à la demande des éditions Gallimard. Le président du tribunal a estimé que la FNAC était en infraction envers la loi Lang qui n'autorise qu'une remise de 5% sur tous les livres. Une mesure destinée à protéger les libraires contre les grandes surfaces. Les explications d'Ève Mettet et de Geneviève Moll. Condamnée donc la FNAC pour avoir osé braver la loi Lang. Coupable de vendre depuis 15 jours des livres neufs 20% moins chers que ses concurrents. Depuis 1981, la loi sur le prix unique du livre interdit aux distributeurs de pratiquer des rabais de plus de 5%, ceci dans le but de protéger petits éditeurs et petits libraires. Idée de la FNAC pour mettre en échec la loi, faire transiter ses livres par la Belgique et invoquer la non-conformité de la loi Lang avec le droit européen qui instaure la libre circulation des produits dans les pays de la communauté. Je suis tout à fait intéressée. Je pense qu'il serait hypocrite de dire qu'un lecteur n'est pas intéressé par les prix, étant donné le prix d'une nouveauté qui est de 85 à 100 francs. Que pensez-vous de l'opération prix européen de la FNAC ? Pour le consommateur, elle est assez intéressante. À partir du moment où on paye un peu moins le livre, un peu moins cher le livre. Maintenant, reste à savoir s'ils pourront continuer l'expérience et si vraiment la loi Lang se défend par la protection des petits libraires. Si les consommateurs sont satisfaits, la justice, saisie par l'éditeur Gallimard, n'a pu que constater l'infraction à la loi française et condamner son auteur. Nous ne sommes pas très surpris par la décision que le magistrat a prise. En réalité, le problème reste posé.
Et c'est le problème de fond, c'est le problème de la conformité de la loi sur le prix imposé français avec les dispositions du traité de Rome. La FNAC a perdu une bataille, elle n'a en effet pas perdu la guerre. Saisie sur le problème de la conformité de la loi Lang avec le droit de la communauté, la Cour de justice européenne doit rendre sa décision en septembre prochain. Nous avons gagné dans la mesure où le tribunal de grande instance a dit ce que nous espérions qu'il dirait, c'est-à-dire qu'il lui est impossible de se prononcer sur le verdict définitif de la Cour de justice des communautés européennes, mais qu'en attendant, même s'il y a contradiction entre notre loi et ce que dira la Cour, donc le traité de Rome, il n'appartient pas à un particulier, la FNAC est un particulier, d'interpréter la loi dans le sens qu'elle voudrait. La FNAC a annoncé qu'elle appliquera le jugement rendu ce matin, mais rien que ce jugement, qu'elle estime peu contraignant pour elle, puisqu'il l'obligerait à retirer de ses ventes seulement les livres Gallimard et seulement à Paris, soit 5% des ouvrages visés par l'opération. Les autres éditeurs devront engager chacun individuellement de nouvelles poursuites. Voilà qui laisse le temps d'attendre la décision européenne du mois de septembre. Yvon Gattaz était reçu cet après-midi par le chef de l'État. Le président du CNPF est sorti mécontent de son entretien avec François Mitterrand, auquel il a fait 4 propositions. Nous écoutons M. Gattaz à sa sortie de l'Élysée. Premièrement, l'économie française est atteinte d'une anémie pernicieuse. Elle prend du retard sur les autres pays. Des mesures pour les entreprises s'imposent donc en priorité. Deuxièmement, le gouvernement a promis que les charges des entreprises ne seraient pas augmentées. Or, la taxe professionnelle, cette taxe imbécile, comme vous le savez, risque d'augmenter de quelque 18% en 1984. Je prédis, pour novembre prochain, une explosion de mécontentement dont le gouvernement ne soupçonne pas l'ampleur. Troisièmement, le chômage est un fléau national, il mérite des mesures exceptionnelles. Nous avons proposé plus de 400 000 emplois nouveaux si les contraintes des entreprises étaient allégées. Je dois dire que nous n'avons pas de réponse à nos propositions concrètes. Quatrièmement, si le chômage est un problème social, l'emploi, lui, est un problème économique. Nous pensons qu'il faut faire des mesures incitatives pour l'investissement productif et rentable. La réduction du temps de travail à nouveau à l'ordre du jour, les chefs d'entreprise qui s'engageront à réduire d'au moins 2 heures par semaine le temps de travail dans leur entreprise, ces patrons recevront une aide de l'État variant de 1 000 à 2 000 francs par heure et par salarié. Une condition toutefois pour obtenir cette aide, que l'entreprise ne procède à aucun licenciement économique, une aide qui ne sera accordée que pour 3 ans au maximum. La naissance d'une nouvelle monnaie à Paris, l'écu, l'unité monétaire européenne, a été cotée officiellement aujourd'hui à la bourse. Pour son premier cours, il cotait 6 francs 86 et des poussières. L'écu, créé en 1979, est calculé à partir d'un panier de 8 monnaies européennes. Une autre monnaie baissait de son côté, il s'agit du dollar. Le billet vert a perdu plus de 1%. Il s'échangeait aujourd'hui à un peu plus de 8 francs 31 à Paris. Les grands leaders politiques n'ont pas attendu le coup d'envoi de la campagne officielle demain soir pour entamer leur Tour de France. Hier, les dirigeants du RPR et de l'UDF célébraient à Vincennes l'union de l'opposition. Et vous en avons rendu compte ici même. De son côté, la tête de liste du Parti socialiste, Lionel Jospin, avait choisi un autre ton en se lançant dans un marathon qui devait l'amener en quelques heures d'Alençon à Bordeaux en passant par Montpellier et par Le Bourget. Serge Misserey l'accompagne. À chacun son chanteur. Hervé Villard pour Simone Veil, Enrico Macias pour Lionel Jospin. Une façon comme une autre pour lui de cibler sa campagne et de s'adresser à des auditoires très précis, comme par exemple les Pieds Noirs de Montpellier. N'oublie pas, pour autant, la politique politicienne et ne veut rien laisser passer. C'est un Lionel Jospin très agressif, décidé à rendre coup pour coup, y compris aux partenaires communistes et à Georges Marchais. Il se préoccupe si peu de l'Europe qu'il a le temps de se préoccuper du prochain gouvernement, comme si c'était Georges Marchais qui le formait. Eh bien, je veux lui dire que Georges Marchais, le jour où il y aura un changement de gouvernement, il le constatera après comme les autres. Les petites listes non plus ne sont pas épargnées. Philbin et de Paqui ne pensent qu'au communisme. Madame Gomez ne pense qu'à Madame Veil. Monsieur Stirne, à la droite qu'il a quitté. Monsieur Doubin, à la gauche qu'il boude. Monsieur Lalonde, aux écologistes qu'il a abandonnés. Le Pen, à ses fantasmes et à ses obsessions d'extrémistes.
À Bordeaux, il parle économie, défense européenne et il attaque encore. Je ne suis pas sûr, dit-il, que Mme Veil ait fait le bon choix avec les partenaires qu'on lui a imposés. Elle avait un crédit, elle l'use. Elle avait une conviction, on la cherche. Elle avait une image, celle-ci s'est écornée, comme quoi on ne gagne jamais à n'être pas soi-même. Dans la distribution des coups, Lionel Jospin n'oublie personne, ni Giscard trop loin de Mme Veil, ni Chirac trop près, ni Barre trop au-dessus, dit-il. Dans ce marathon, un Jospin nouveau est apparu. Avant, il avait peut-être tendance à mépriser les joutes électorales, mais aujourd'hui, il n'hésite plus à forcer le trait. Politique toujours, avec les résultats du deuxième tour des élections de Pamiers dans l'Ariège, c'est le maire sortant, le RPR Francis Rouquet, qui a été réélu sur une liste d'union de l'opposition. Il l'emporte de 98 voix sur la liste de l'Union de la gauche. L'élection précédente avait été invalidée. Et puis un attentat à la bombe à Toulouse contre le local où devait avoir lieu une réunion de Jean-Marie Le Pen demain soir. Il n'y a pas eu de victime, mais les dégâts sont très importants, 1 million de francs. Réaction du maire de Toulouse, Dominique Baudis, qui considère que le terrorisme ne peut avoir aucune justification et que le meilleur moyen de montrer qu'on n'est pas d'accord avec les idées de quelqu'un, c'est encore le bulletin de vote. Le sport maintenant, avec la dernière étape du Dauphiné libéré, Bernard Hinault n'a pas tenu la distance et c'est le champion du monde Greg LeMond qui l'a emporté, en tout cas qui a emporté l'étape, revenant ainsi au premier plan. Au bout du compte, c'est le petit Colombien Ramirez qui remporte la course. Jean-Paul Olivier a suivi le duel qui l'opposait à Bernard Hinault. Tout de suite, le reportage de Jean-Paul Olivier sur le Dauphiné libéré. Tout a commencé ce matin dans l'étape en ligne. Le maillot jaune, Ramirez surveille Bernard Hinault et ne le lâche pas d'une roue. Hinault attaque, Ramirez est avec lui. 22 secondes séparent les deux hommes et c'est un duel au couteau qui se prépare ici contre la montre sur 36 km. On pense qu'Hinault peut l'emporter et pourtant, il n'est pas au mieux. Au sommet du col de l'Escrinet, il accuse un passif de 11 secondes sur Ramirez. Ramirez, facile dans le col, va perdre un peu de terrain dans la descente, mais les regagnera ensuite. Hinault franchit la ligne, les chronos sont déclenchés, c'est le suspense. Ramirez va le devancer sur la ligne de 5 secondes et remporter ainsi le critérium du Dauphiné libéré. Alors, on se pose la question. Hinault saura-t-il vaincre les Colombiens dans le Tour de France? Je pense que mon idée là-dessus était déjà depuis longtemps bien ancrée. Je savais exactement comment il fallait les prendre. Et je pense que dans le Tour, quand ils auront passé un mois au niveau de la mer, ils n'auront pas tout à fait les mêmes sensations. C'est un jour historique pour la Colombie, pour moi, pour tous les Colombiens. C'est la plus grande victoire après notre précédent succès dans le Tour de l'Avenir. C'est d'autant plus grand que c'est ici en Europe qu'il y a le meilleur cyclisme. En Italie, les coureurs du Giro s'affrontaient pour la 16e étape. C'est le Norvégien Pedersen qui a remporté cette étape. L'Italien Francesco Moser conserve le maillot rose de leader. Des balles mouillées, des joueurs qui pataugent avant de quitter le cours, des curieux abrités sous des parapluies et un arbitre dégoulinant, les jours se suivent et se ressemblent à Roland-Garros où la pluie a interrompu en fin d'après-midi le match Noah-Taroxi sur le score de 1-7 partout. En revanche, Connors, Lendl et Gomez se sont qualifiés pour les quarts de finale. Mais aujourd'hui, Roger Zabel a déserté le cours central et ses parapluies pour aller assister au spectacle offert par l'une des meilleures paires de doubles, ou en tout cas l'une des plus étonnantes, le couple infernal Nastase-José Luis Clerc. Et vous allez voir, ça n'est pas triste. Ili Nastase et José Luis Clerc ont maintenant leurs inconditionnels à Roland-Garros. Ce n'est plus l'hilarité, c'est carrément l'hystérie. Il faut participer, il faut le faire avec le public parce qu'ils aiment bien, ils veulent participer aussi. Et on le fait pour eux aussi un petit peu. On le fait pour eux, le spectacle, avec première spécialité, ce que l'on a coutume d'appeler une campagne de lobe. Dixon, l'Américain, se démonte l'épaule à force de se matcher. Temps mort, demande Nastase pour récupérer. Il est vrai qu'il a 38 ans aujourd'hui.
Mais Nastase et Claire, c'est aussi une des meilleures équipes mondiales de double. Entente parfaite, surtout lorsque Claire joue tout seul. Ces plaisanteries sont aussi destinées à énerver l'adversaire. C'est le cas pour l'Américain Dixon. Un mauvais coup se prépare, ce sera l'un des plus beaux de la partie. On a rigolé et on a gagné. Mais la rigolade, ça peut coûter cher et c'est parfois dangereux. Balle de match pour gagner avec humour en faisant un spectacle inégalable. Nastase et Claire, tous les ans, on en redemande. Tennis et rigolade, ça peut très bien aller ensemble. Pourtant, il pleuvait sur Roland-Garros aujourd'hui, je vous le disais. L'occasion pour notre monsieur météo de nous prouver qu'il sait être un homme de terrain humide. Les pieds dans l'eau, Alain Gillot-Pétré va nous dire si la pluie est chaude sur le court central. Bah, je vous dirai rien, Bernard, il pleut plus. C'est pas de chance, juste au moment où je suis arrivé, la pluie a cessé. Cela dit, à vue de nez, il fait 14 degrés, j'ai les pieds dans l'eau et j'y suis retrouvé sans me rendre partout. Je suis vraiment un homme de terrain. Cela va continuer demain, vous avez vu toutes ces bâches, elles vont sans doute rester demain sur tous ces cours parce que, vous voyez la photo satellite qui va venir sur votre écran, voilà, la perturbation qui se trouve ici va aller vers le nord-est et va donc envahir tout le nord, l'est et aussi le sud du pays. La carte va vous donner le plus de détails. En effet, de la Bretagne à Roger Zabel et Gérard Holt en tennisman de plongée échangent quelques balles derrière moi. Ce n'était absolument pas prévu. Masque, palme et tuba, il faut le faire. Bravo, messieurs. Bravo, messieurs. Écoutez, vous permettez quand même que je donne ma carte de la Bretagne. Et il y a encore du public pour applaudir. De la Bretagne, aux Flandres, au nord-est, au Jura, aux Pyrénées, à la Corse, ce sera du mauvais temps avec de la pluie et des orages. En revanche, du centre-ouest et de l'Aquitaine à la Bourgogne, ce sera plutôt du beau temps, mais vous faites pas mal quand même, hein. Vous faites pas mal. Côté température, de la carte des températures, c'est possible, mais oui, voilà, de 14 à 17 degrés sur la moitié nord et de 17 à 22 degrés sur la moitié sud. Demain, le soleil se lèvera au-dessus des nuages, mais pas en dessous. Il se lèvera à 5h49 pour se coucher à 21h49. Ce sera la Saint-Igor. J'espère qu'il fera quelque chose. Moi, personnellement, je suis venu en balai et je repartirai en balai. C'est très bien pour écarter les flaques. Je vous laisse regarder le spectacle de ces deux duettistes. Alain Gillot-Pétré dans son rôle d'arbitre de chaise. Le dernier journal vous sera présenté vers 23h12 par Hervé Claude, qui est lui bien au sec. Il sera question du débarquement avec deux invités, Pierre Miquel, professeur d'histoire à la Sorbonne, et Gilles Ragache, auteur d'un livre qui raconte le débarquement, mais aux enfants. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Bonsoir, à demain 20h.